trop intéressant. C'est Warrenos qui va le donner pour Wellen. Il frappe, attention, premier poteau, et elle passe de très peu à côté. Benjamin Mako, c'était bien détendu, c'est un coup franc intéressant. Première occasion franche pour Wellen de la part de Wesley Warnot. Ils passent tous les deux en dessous du ballon. Prats qui essaye de jouer, c'était bien vu. Attention, Prats toujours, oh Toussaint, voilà, impeccable. Ouverture de Toussaint de la tête sur le côté droit, Mayanga. Mayanga qui centre, Toussaint à la réception, et Toussaint est sauvé sur la ligne par un défenseur de Wellen. C'est Sam Bien ici qui revient derrière, on revient sur Gelou. Quant à Mathieu qui sort de sa défense, attention, Kops qui est en position de frappe, qui frappe juste à côté du but. Une touche, c'est Cornet qui la donne, elle sera longue. On va chercher Toussaint, attention, et voilà Quentin Mathieu, une extérieure du pied. Ça passe de peu à côté, c'est une occasion franche pour Bièvre. C'est toujours 0-0 ici à Wellen. Coup franc sur le côté gauche, c'est Gelou qui le donne, attention, Mako qui intervient des points, voilà. Et on dégage Quentin Mathieu, voilà, une longue balle devant. Le danger est écarté. Allard, Allard avec Cornet, voilà, le jeune Thibaut Allard. Prats, Prats qui dévie, Prats pour Mayanga, Mayanga qui est passé, Mayanga qui bute sur le gardien et Patrick Prats qui fait le 0-1. Et voilà 0-1 pour Bièvre, je venais de le dire, la solution c'était Patrick Prats. Il a dévié pour Alba Mayanga qui frappe sur le gardien, mais Patrick Prats en embuscade qui fait 0-1. Wellen 0, Bièvre 1. Un coup franc, Wesley Warnot qui le donne, Wesley Warnot, attention dévié, égalisation de Wellen, et voilà dans la foulée. Égalisation de Kevin De Wynne sur un coup franc donné par Warnot. Et de la tête, c'est un partout ici à Wellen. Wellen 1, Bièvre 1. Puisque c'est toujours un 1, la fin du temps réglementaire, ce sera les prolongations. Lace qui envoie un long ballon. Attention, Van Heist, finalement c'est coupé par un joueur de Bièvre. Quentin Mathieu qui dégage. Il y avait peut-être hors-jeu de Prats, c'est pas sifflé. Olivier Cornet. Van Buren qui rentre, attention, ne pas laisser frapper, Gelou, attention, Gelou qui frappe, et oulala, juste à côté. Une longue balle, Tanguy Daoust dans les pieds, Tanguy Daoust, il est passé, il a toujours le ballon, il écarte très bien, et voilà, attention, et voilà, et le 1-2, c'est Thibaut Allard, le coaching gagnant de Fred Jacquemart. 1-2 à la 108e minute, Tanguy Daoust qui a très bien ouvert sur Thibaut Allard, et c'est Thibaut Allard qui fait le 1-2, Wellen 1, Bièvre 2, Bièvre qui est bien parti dans ce tour final interprovincial. Wesley Warnot qui va donner le corner alors que le gardien est monté du côté de Wellen. Un corner dans l'axe, elle est dégagée. Vinken, cette fois-ci, c'est fini. Monsieur l'arbitre va porter le sifflet à sa bouche. Décidément, il a l'air de bien se plaire. Villalba, Villalba. Une longue balle de Prats. Prats avec Tanguy Daoust qui a une bonne balle. Et voilà, le 1-3 signé Patrick Prats. C'est pas encore fait, mais... Et voilà, Bièvre passera ce tour. C'est 1-3 ici à Wellen, un but de Patrick Prats qui fait un doublé sur encore un assist de Tanguy Daoust alors que le gardien avait déserté sa cage pour essayer d'aller faire 2-2. Finalement ce sera 1-3, Wellen 1, Bièvre 3. Et voilà, c'est fini ici à Wellen sur ce dernier dégagement, 1-3. Deux buts de Patrick Prats, c'est un but de Thibaut Allard alors que de l'autre côté c'est De Wynne qui avait égalisé. La prolongation aurait été jusqu'à son terme. 1-3, Wellen 1, Bièvre 3, Bièvre qui passe encore un tour dans ce tour final et qui peut toujours espérer viser la promotion. C'est le groupe, c'est ce que je dis depuis le début, Thibaut Allard, même chose, quoi. Il rentre, il marque, Tanguy fait deux assists, magnifique groupe, comme je confirme il y a 15 jours, une vraie bande de malades qui a encore envie de s'amuser ensemble, vous voyez bien. Et donc ben voilà, ce sera Bazoa, donc encore un petit match et puis c'est la promotion. Ouais, mais on va aller s'amuser, se faire plaisir à Bazoa. On va surtout bien profiter aujourd'hui, parce que ce qu'ils ont fait, c'est encore extraordinaire aujourd'hui. Allez, bien, bravo.